Yeah, les gens, c'est Verxius et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle technique Kama sur Dofus. Donc ce petit tuto sera pour faire une énorme technique Kama qui vous rapportera mais énormément de Kama en très peu de temps et vous n'avez absolument rien à faire. Donc on va se rendre à l'HDV des documents de la bibliothèque si vous préférez. Vous allez aller acheter un... Vous allez dans les parchemins d'expérience, oui les parchemins d'expérience. Non, les parchemins de caractéristiques, excusez-moi. Vous allez prendre des parchemins de sort. Donc vous pouvez en acheter par 10, par centaine ou par un. C'est comme vous le sentez. Je vous conseille minimum par 10. Bon, c'est comme vous voulez. Donc moi, je vais en acheter par 100 pour la vidéo. Donc 10 millions de Kama. Donc ça fait un petit trou directement dans la... dans le porte-monnaie. Donc je vous fais une petite dédicace en passant à Owncut. Un gars qui m'a conseillé pour ma chaîne. Enfin, pour mes pour l'FM, etc. Donc... voilà, petite dédicace à lui. Et on va directement se rendre au Coliseum. Donc le massif de Cania. Massif de Cania. On monte d'une map. On rentre dans le Coliseum. Et cette technique va vraiment être très très simple. Et elle va être énorme. Donc vous voyez, on a fait en même pas... Bah attendez. En 1 minute 20, on vient de presque de finir la technique. Donc... Alors attendez. Échanger 10 points de sort. Attendez. Voilà, 10 000 cositons, j'ai reçu. Hop. Alors, attendez. Oui, alors, il faut utiliser vos parchemins de sort. Donc, moi, apparemment, j'avais déjà 10 sorts. Donc, je vais les... Vous voyez, il faut les utiliser. Donc, attendez. Je vais les mettre là. On va appuyer sur le bouton 1. Ça va s'utiliser beaucoup plus rapidement. Donc, vous voyez, vous gagnez... on gagne un point de sort à chaque fois qu'on en utilise un. Donc ces points de sort, ils se remplissent ou dans les sorts. Et ça permet d'augmenter d'autres sorts, comme le... Bon, le foudrement, je vous conseille pas. C'est vraiment le sort le plus pourri de Dofus. Donc on va continuer à utiliser parchemin. Donc il en reste 50. Donc sûrement vous avez déjà compris la technique. Alors, je vais faire un peu de tout hein, sur cette technique. Vous allez voir, j'en ai pris 100 de parchemin de sort pour vraiment tout faire. Donc là, j'ai utilisé mes 100 points de sort. Donc j'en ai 103. Donc je vais pas les utiliser, bien sûr, inutilement sur tous mes sorts. Ils sont presque tous level 6 déjà. On va reparler à Vladimir Milon. On va faire échanger 10 points de sort. Échanger 10 points de sort. Échanger 10 points de sort. Vous allez faire ça. Et à chaque fois que vous le ferez, vous gagnerez 10 000 colisétons. Donc voilà. Donc ouais, je vais garder ces points de sort. Donc j'ai... Attendez, je cherche... Ouh, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Dofus. J'ai 110 000 colisétons. Donc j'en avais acheté 100 au départ, donc on va garder les 100 000 colisétons. Alors avec 100 000 colisétons, donc seulement 10 millions de Kama. Mais vous allez pouvoir faire mais énormément de choses. Donc déjà, pour, on va prendre des galets cramoisis par exemple, donc ça fait 180 000 Kama. Et pour 10 000 colisétons, donc pour 10 parchemins de sort, vous pourrez en avoir 1000. Donc vous allez voir... 1000. Ouh, excusez-moi, donc j'ai plus de pods, donc je vais couper la vidéo et je vais revenir avec des pods, full pod, donc excusez-moi. Donc re tout le monde, c'est bon, je me suis mis à presque full pod, donc je suis à 5 160 000, donc ça va. Donc, mais de toute manière, je crois, oui, voilà, j'aurais pas assez, donc bref, la technique, vous avez compris, c'est de prendre... Donc moi, pour 10 000 coïsétons, j'ai pris 1000... Gale et cramoisi, je vais prendre. Donc ça fait 1 800 000 Kama pour seulement 900 000 Kama. Pour 1 million que ça vous a coûté les 10 parchemins de sort. Donc rien que là, vous faites déjà 800 000 Kama. Alors, vous pouvez aussi vous acheter... Attendez, on va aller ici. Voir notre amie Annabelle Huer. Vous pouvez aussi acheter des parchemins, alors Ola. Donc là, vous pouvez en acheter 5. Alors ça vaut 300 000 Kama U. Donc vous faites directement... non, 2... Oui, 250 000. Donc là, vous faites 250 000 Kama de bénéfice. Bon, c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours bien. Alors là, voilà, c'est là aussi la technique. Donc je vais en prendre 3. Alors, UE. Alors là, c'est 500 000 Kama le UE. Donc ça vous fait 4 millions de bénéfices. Juste avec le UE. Si vous en prenez 10. Donc c'est vraiment énorme, je trouve. Donc baissez le pouce aussi, donc vous en prenez 10, ça vous fait 1 million de bénéfices, que ça fait 2 millions et 10, 200 000 Kama U.
Donc oui, ils se vendent, hein, vous inquiétez pas. Ce n'est pas... Vraiment, il y a des gens qui achèteront ça. Donc, bon, si vous voyez la vidéo, bien sûr, n'allez pas acheter en HDV, lever le pouce, enfin le latitude. Achetez un parchemin de sort pour 90 Mkama et vous l'achetez à 3 fois moins cher. Donc, ouais, je vais en prendre 3 aussi. Donc, ouais, vous pouvez aussi prendre des attitudes, d'autres attitudes. Donc, franchement, elles rapportent tout autant les unes que les autres. Donc, je vais prendre box et je vais en prendre 3 aussi. Donc là, juste avec ça, vous en avez pour 5 millions de kamas. Hein. Non, je... Oui, non. Oui, vous en avez pour environ 5 millions de kamas. Entre 3 et 5 millions de kamas. Donc je vous conseille vraiment pas d'acheter le cram-cram, puisque vous perdez de l'argent en l'achetant, parce que vous pouvez le revendre 1 million 8. Donc vous pouvez aussi acheter des galets rutilants. Donc ça fait... Vous pouvez en acheter 100 pour 10 000 colisétons. Donc on va voir directement le prix. Galets rutilant, donc laissant 2 millions, donc vous faites x2 de marge. Donc vous multipliez l'achat et la revente par 2. Donc c'est vraiment énorme. Donc moi je vais en acheter 100. Donc voilà, bah, y en a plus. Donc c'est vraiment... Ah ben, je suis vraiment stupide. J'en ai acheté 2. Bon, j'en ai acheté au lieu de les acheter avec les colisétons. Bon, c'est pas grave, j'ai perdu 2 millions de kamas. Je vais les remettre en vente directement. À 2 millions, donc là j'ai vraiment été stupide. Donc là c'est pas une technique Kama, c'est plutôt une technique comment perdre des Kama. Donc bon, c'est pas grave, on les remet, ils se revendront de toute manière très rapidement. Donc voilà, j'espère que vous avez compris la technique. Donc elle est vraiment assez facile. Donc les galets brésiliens, je vous le conseille pas. Vous gagnerez 150 000 Kama si vous faites avec les galets brésiliens. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors abonnez-vous et laissez un like s'il vous plaît pour encore plein d'autres vidéos, plein d'autres astuces Kama. Je ferai aussi d'autres vidéos sur d'autres jeux, sur World of Warcraft, sur Call of Duty. Et je ferai du PvP. Demandez-moi ce que vous voulez en commentaire, je vous le ferai. D'autres astuces Kama ou quoi. Donc franchement, ciao ciao les gens et à la prochaine.